Eh bien, on n'aura pas attendu longtemps pour voir du spectacle dans cette rencontre. Bale qui a de l'espace. Et cette bonne situation sur l'aile gauche. Oh, Sterling. Il tente de la jouer dans l'espace. Sterling. La passe est précise. Ça peut être extrêmement dangereux. Bonne lecture de la trajectoire. Il va provoquer. De Bruyne. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Il cherchait à imposer sa puissance, il est tombé sur un mur. Un long ballon vers l'avant. Adriano. Il joue dans l'espace. Bale. Bien joué de la part du défenseur. Corner. Premier corner dans cette rencontre. Quelle détente! Ça fait but! Et ils sont revenus à hauteur. Il était bien tiré ce corner et le timing parfait. Beaucoup de sang-froid pour mettre cette tête. Le geste était parfait. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Et oui, ils ont manqué de concentration sur ce coup-là. Ils pensaient encore à leur but. Et maintenant, tout est à refaire. Oh, voici Kanté. Bien joué ça. Allez, ça doit... La frappe. But pour l'Udinese. Et ils prennent l'avantage. Tout seul, face au but, c'est presque trop facile. Non mais qu'est-ce qu'ils font là? C'était le seul joueur à ne pas oublier dans la surface. Je sais pas moi, mais faites-vous des anti-sèches les gars. Les voici avec un but d'avance. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe. C'est osé. La passe dans la profondeur. Oh, il fallait l'oser ce tacle. Pour trouver la faille dans la défense. Bien travaillé dans la surface. C'est bon. Quelle reprise de volée. Et le gardien n'a même pas eu à intervenir. Et c'est compliqué de trouver le bon appui, d'apporter de la puissance, trouver le cadre. C'est très très compliqué. L'Udinese qui fait tourner le ballon dans ce match, comme d'habitude. C'est vrai que le jeu en triangle fait souvent des ravages. Ça oblige l'adversaire à courir après le ballon, ce qui peut vite devenir démoralisant. Pas faux, Darren. Et d'ailleurs, certaines grandes, très grandes équipes même le pratiquent à merveille. Oh, la frappe ! Ça rentre ! Pas le temps de douter, ils ont vite égalisé. Ça démontre leur force de caractère. Ils ne baissent jamais les bras. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Deux buts déjà dans ce match. Quel match! En tout cas, ils ne lâchent rien. Eh bien, on savait que ce match serait serré et ça se confirme. Il repique dans l'axe. Kimmich qui veut se projeter. De Bruyne. C'est joué long, attention. Ça joue long vers l'avant. Ce contre peut très bien aller au bout. Il choisit la profondeur. Ça, c'est une interception parfaite. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Il glisse le ballon en profondeur. Il s'est récupéré facilement. Oh, il a pris des risques, ce sera un coup franc. Allez, se concentrer sur ce coup de pied arrêté. C'est dégagé, loin devant. Attention! Avec Simeone. Il est lancé sur l'aile. Il est passé. Difficile de tirer.
Et pourquoi pas, très fort, très loin, ça saute. Il tire. De Rossi adore ce genre de position pour tirer. Alors dès qu'une occasion se présente, il pilonne. Et c'est bien normal quand on a son talent. Bonne interception, il y avait danger. Il y aura donc touche. Nouvelle remise en jeu. Le bon dribble. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Le soutien derrière lui. Dans la source. Oh, l'aspiration! Et ça va au fond! Il était tellement bien placé, forcément, ça va au fond. Mais c'est le joueur marqué de près. Un attaquant de ce calibre, si vous lui laissez une chance de briller, eh bien, il vous le fait payer. Ça, c'est sûr. Et voilà, il réalise le coup du chapeau. Il est vraiment irrésistible en ce moment. On dirait qu'il a marqué sur chacun de ses ballons. C'est la pause, une pause bien méritée pour les deux équipes qui ont fait beaucoup d'efforts jusqu'ici. Adriano a marché sur l'eau durant toute cette période avec ce triplé qui permet à son équipe de repasser devant sur la dernière occasion. La première période est donc terminée. Qu'en avez-vous pensé? Mais laissez-moi reprendre mon souffle d'abord. Quel match! On a des buts, un scénario un peu fou, un retournement de situation. J'ai hâte de voir ce que la deuxième mi-temps nous réserve. Allez, on va prendre le temps de souffler pour se remettre de cette première période. 5 buts inscrits, mais juste un petit but d'écart. Bien, le jeu a repris, vous l'aurez déjà constaté. Savic. Oh, il a bien vu son coéquipier. Tant qu'on le garde dos au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. C'est bien donné. Oh, Sterling. Il peut frapper. Oh, il faut frapper. La tentative. Et oui, but. Égalisation pour l'Udinese. Il remporte son duel avec le gardien et ce geste parfait. Tout a l'air facile avec lui. Quel instinct de buteur. Et voilà qu'ils sont de nouveau égalisés. Les occasions sont rares dans ces matchs, mais il a réussi à profiter de celle-là. C'est une frappe. Ça passe juste à gauche. C'était un tir plus que correct. Ça méritait sans doute un meilleur sort. Un peu d'oxygène pour sa défense. L'Udinese qui récupère ce ballon. De Bruyne. La relance côté droit. Il peut y aller. Un peu d'air. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. Mkhitaryan. La passe dans la profondeur. Simeone. Bien servi sur le côté. Kanté, Kanté! Il n'a aucune chance avec une frappe comme ça. Tout seul, à cette distance, il doit vraiment faire mal. L'Udinese, qui a laissé les joueurs devant, sans doute pour initier un contre. C'est sûr qu'à la récupération du ballon, ils auront... Attends, sa chance! Il ne se pose pas de questions. Oh, c'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile! Et peut-être un... C'est dégagé loin. Diop. Bale. C'est joué long. Dans l'espace. Danger repoussé pour le moment.
Il revient dans l'axe. C'est une occasion, ça. Oh, c'est un arrêt important, ça. Oui, il était bien concentré. Bravo. Adriano. Il joue dans l'espace. Kanté, qui a donc offert un but à son coéquipier. Oh, le bon ballon! Il décide d'allonger le jeu. Un ballon intéressant dans le dos de la défense. Il y a peut-être... Oh, l'occasion! La passe était parfaite, c'est du gâchis. Oui, cette passe était superbe. Il peut en vouloir à son coéquipier d'avoir manqué ça. Et ce ballon vers ses attaquants. Passe interceptée. Il tente de la jouer dans l'espace. Il tire. Et le cadre se dérobe. Mais se dérobe vraiment. On a vu avec quelle vitesse ils sont capables de remonter le terrain. Ils excellent dans l'art de contre. Très beau mouvement. Mkhitaryan. Ça joue de l'autre côté. Pour trouver la faille dans la défense. Allez, ça peut faire mal. L'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau. La passe interceptée. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Chiellini. C'est joué long, attention. Cherche un coéquipier dans l'axe. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Il joue dans l'espace. De Rossi. Ça joue à gauche. Il tente de la jouer dans l'espace. Alexandro, qui est bien placé. Le bon dégagement. Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. Il glisse le ballon en profondeur. Il est tout seul. Il est passé. Oh, la frappe! Oh, c'est sublime! Et ça fait toute la différence. Oh, c'était jamais facile, les face-à-face avec le gardien, mais il est resté lucide. C'est super bien joué, ça. Il savait exactement ce que le gardien allait faire. Rendez-vous compte, il a marqué 4 buts à lui tout seul aujourd'hui. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Cristiano Ronaldo qui entre, ça va sans doute ajouter un peu de vitesse. Et si ce but scellait le score, est-ce qu'on en restera là? Et ils n'attendent plus qu'une seule chose maintenant, le coup de sifflet final. Avec Mkhitaryan. La passe dans la profondeur. Le bon dribble. La frappe, attention! Oh, dommage, c'était une bonne passe. La défense a encore été prise sur cette passe. Il faut qu'il se réveille. Il faut qu'il s'applique sur ce dernier corner. Quelle fait du bien cette interception. C'est fini, le match est terminé. Quel match, quel suspense et quel résultat à l'arrivée pour eux. Ils ont complètement renversé la situation dans cette rencontre. Tout s'est joué dans les derniers instants de cette rencontre. On est malheureusement obligé de se quitter maintenant, Darren. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous. À très bientôt. Merci, Grégoire.